Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours dans notre série FIDEL, qui cette fois sera dédiée aux séquences temporelles, aux données en forme de séquences, que l'on va utiliser avec des réseaux de neurones récurrents, ces fameux RNN. Alors, on a vu sur les précédentes séquences un petit peu les bases, les fondamentaux, les réseaux convolutifs. On s'est intéressé aux réseaux de type embedding, données creuses. Et bien là, on va s'intéresser à un nouveau type de données. Voilà. Des données tout à fait particulières parce qu'elles ont une caractéristique, c'est qu'elles vont se suivre, elles sont ordonnancées dans le temps. Alors, on va voir ça à travers en trois parties. Une première partie pour voir un petit peu les bases, voir un petit peu de théorie, voir un petit peu comment on est arrivé à ces types de neurones, qui sont des neurones un petit peu particuliers, comment on peut gérer ce type de données. Et puis on verra deux exemples. Un premier exemple sur une prédiction de trajectoire pour des coccinelles totalement virtuelles. Alors c'est complètement artificiel, mais ça permet comme ça de voir un petit peu, d'avoir un premier exemple relativement simple. Et puis on verra un deuxième exemple, un peu plus complexe, de par les données qui sont utilisées, pour faire de la prévision météorologique. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut comme prévision, mais l'idée est là. Donc, on va récupérer des données réelles, hein, issues d'observations météorologiques, et puis on va essayer comme ça de faire une prédiction météorologique, des prédictions à 3 heures et puis à 12 heures. Voilà, toujours en s'appuyant comme ça sur l'analyse des séquences, notamment de température. Alors, première partie, un petit peu de théorie, voir un petit peu à quoi ça ressemble et de quoi il retourne. Alors, les données temporelles, les données en forme de séquence sont extrêmement nombreuses dans notre environnement, dans le monde qui nous entoure. C'est à la fois le son, alors la musique, le texte, le texte lu, parlé, hein, mais le texte écrit aussi, on peut voir ça sous forme considérer ça sous forme de séquence. Donc les trajectoires, tout ce qui se déplace évidemment, mais aussi bon, alors, de manière plus générale, tous les phénomènes physiques, beaucoup de phénomènes physiques peuvent être vus sous forme de séquence, sous la forme d'une évolution d'un signal. Alors la caractéristique d'une séquence, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une information qui va changer d'état, chaque état étant relié au précédent, n'a de sens que par rapport à l'état qui le précède et ne donnera du sens qu'à l'état qui le suit. Donc les choses sont reliées dans le temps, ce sont des séquences comme ça, si on les mélange, si on mélange les éléments d'une séquence, ça n'a plus vraiment grand sens. Voilà, chaque donnée est liée à ce qui se passe avant et à ce qui se passe après. Alors, on a vu jusqu'à maintenant des neurones classiques, donc, comme celui que l'on voit ici. Donc, on a une entrée, l'observation en entrée, on fait une somme pondérée, on passe ça dans une fonction d'activation et on a un résultat. Donc, on peut avoir l'écriture matricielle qui est dessous, hein, sigma qui est notre fonction d'activation, WXT, alors transposé, qui est nos poids, matrice de poids, fois X qui est notre observation, plus le B qui est notre biais. Voilà, donc ça c'est le neurone classique qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans les couches complètement denses, complètement connectées. On a vu qu'il y avait des variantes avec les réseaux convolutifs. Ben là, on va faire un autre type de neurone, on va utiliser un autre type de neurone qui sont des neurones récurrents. Alors c'est exactement le même, donc on a une observation qui rentre, une somme pondérée, fonction d'activation, le biais, hop, on a un résultat qui ressort. Mais ce résultat, on va le faire boucler et on va le faire re-rentrer à l'intérieur de notre neurone pour l'itération d'après. Alors d'une manière plus classique, on représente en général verticalement de cette manière-là. Donc on part d'en bas, comme ça, notre observation qui rentre avec notre somme pondérée qui ressort notre prédiction Y, notre sortie Y. Et puis, notre sortie Y, elle va re-rentrer à l'intérieur. Donc on a quelque chose, si on prend l'écriture un petit peu matricielle ici, l'écriture un peu mathématique, notre YT qui est égal donc au sigma, notre fonction d'activation, notre poids fois notre observation à l'instant T, plus un deuxième poids, qui va être utilisé, WY, alors qui est un petit WY, parce que là, on est sur un scalaire, fois YT moins 1, donc l'état, notre sortie à l'itération précédente, plus B. Voilà, donc c'est relativement simple, en fait, c'est jamais qu'une extension de notre neurone classique, hein, qui est du type WX plus B, simplement on rajoute un WY fois l'état de la sortie précédente. Voilà. Alors, on peut déplier cette représentation. Ça, c'est une représentation très classique aussi, qui permet de bien comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a une entrée XT1, qui est une observation XT1, une étape de notre séquence qui rentre dans notre neurone récurrent. Et on a donc une sortie qui est ici, notre sortie YT1. Et cette sortie YT1 va être reprise
à l'itération suivante quand on va avaler, entre guillemets, l'observation XT2. Donc là, on va faire une somme pondérée de notre XT2 et de notre YT1 pour sortir un YT2. Et cette sortie YT2 va ressortir, etc. Voilà, donc ça, si on regarde encore une fois notre écriture matricielle, notre écriture mathématique de notre neurone, hein, on est sur quelque chose vraiment du WX plus WY, Y plus B. Voilà, donc ça, c'est très classique. Si je m'efface pour qu'on voit un petit peu mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait utiliser ces neurones récurrents, mais pas seuls. C'est-à-dire qu'on va les utiliser ensemble, de manière à constituer ce qu'on appelle une cellule, ou une couche récurrente, une cellule, qui va être composée d'unités. Chaque unité étant en fait un de nos neurones récurrents. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Ben, c'est qu'on va rentrer donc, notre observation X et puis on ressortira de notre cellule une sortie Y, mais notre sortie Y, cette fois, sera un vecteur et ne sera plus un scalaire. Voilà. Donc, ça va permettre comme ça de faire fonctionner entre guillemets nos neurones récurrents en escadrille plutôt qu'en solo. Alors, si on reprend l'écriture matricielle de notre cellule récurrente, notre couche récurrente, donc on a notre cellule qui est composée de n neurones récurrents, de n unités, on va appeler ça des unités, et on a donc notre YT qui est égal, alors YT majuscule, puisque cette fois on a un vecteur, donc notre fonction d'activation, WX X, T, donc ça c'est le poids, WX étant les poids associés à notre entrée de notre observation, de notre input, plus un WY, YT-1, grand YT-1, parce que là on a un vecteur cette fois, plus B, B étant également un vecteur. Voilà, donc là-dedans, alors le WX cette fois est un tenseur, hein, c'est une matrice, voilà, tout comme le Y. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus, organisé, un petit peu plus complexe, mais qui est somme toute très simple, parce qu'on reste toujours dans la même logique. Hein, c'est une somme pondérée de notre entrée, plus une somme pondérée de notre sortie précédente, plus un biais, et on passe tout ça dans une fonction d'activation. Voilà. Alors de la même façon, on a souvent cette représentation dépliée dans le temps, qui permet de voir comme ça l'évolution des états de notre cellule récurrente. Alors si on prend un tout petit exemple, un autre petit dessin pour bien resituer un petit peu comment ça fonctionne, ben, on a trois, donc là on a une entrée avec trois vecteurs, XT1 et XT2. Donc ça c'est notre entrée avec nos trois vecteurs. Oups. Et puis on a notre cellule comme ça qui va avoir trois itérations pour digérer entre guillemets ces trois vecteurs. Alors comment ça va se passer? Ben, la première itération, on a notre mémoire d'état, donc notre sortie précédente, évidemment, comme on démarre, il n'y en a pas. Donc on la met entièrement à zéro. Donc notre memory state, on va le positionner à zéro, avec un vecteur à zéro. Et puis on fait ben, notre somme pondérée du WY, notre memory state, plus notre WX, XT0. On passe ça dans notre fonction d'activation, on passe ça dans notre fonction d'activation. Et puis on a donc notre vecteur de sortie, YT0. Cet YT0, on va le mettre au chaud, donc c'est la première sortie de notre cellule, mais on en met une copie au chaud dans notre memory state. D'accord ? Et puis on recommence, on prend la deuxième partie de notre séquence d'entrée, donc notre XT1, donc fois WX, plus notre WY fois notre memory state, donc notre YT0, on passe ça dans la fonction d'activation, on rajoute le biais, on passe ça dans la fonction d'activation, et puis on a une nouvelle sortie, un nouveau vecteur de sortie, qui est notre YT1. Ben, notre YT1, c'est le deuxième vecteur, deuxième élément de notre séquence de sortie, et puis ben, on va le mettre dans notre memory state. Et puis on recommence une troisième fois, donc on prend la troisième partie de notre séquence, donc le troisième vecteur de notre séquence, le XT2 que l'on a ici,
Si j'évite de toucher l'écran, ce sera mieux. On le multiplie par notre WX, comme tout à l'heure. On rajoute ce qu'on a notre memory state, donc notre YT1, que l'on multiplie par notre poids WY. On ajoute notre biais, on passe ça dans la fonction d'activation, et puis on a notre sortie YT2. Voilà, donc notre cellule a itéré donc trois fois avec nos trois vecteurs d'entrée, et nous a généré trois vecteurs de sortie. Alors, chose intéressante qui peut être contre-intuitive, c'est que la sortie de notre cellule récurrente n'a pas la même taille que notre entrée. Nos trois vecteurs d'entrée ici, on voit qu'elles ont trois composantes, et la sortie de notre cellule récurrente, on voit qu'elle a six composantes. Et en fait, la taille des vecteurs de sortie de notre cellule récurrente dépend du nombre d'unités que l'on va avoir dedans. Donc si vous avez une cellule récurrente, une couche récurrente, qui possède, je ne sais pas moi, dans notre cas ici, six unités, dans ce cas-là, nos vecteurs de sortie auront six composantes. Voilà. Voilà, une fois qu'on a compris un petit peu ce mode de fonctionnement, on comprend tout à fait les résultats que l'on va avoir et la manière d'implémenter ça dans nos réseaux de neurones. Alors, tout ça, c'est bien joli, c'est le principe général, mais ce principe général, en fait, il a des limites. C'est-à-dire que si on part sur des grandes séquences, qui vont nécessiter beaucoup d'étapes comme ça, on s'aperçoit que très rapidement, notre memory state se dissout complètement. C'est-à-dire que notre couche, notre algorithmie, notre cellule récurrente, elle a une mémoire de poisson rouge. Et après quelques étapes, après quelques itérations, la mémoire d'état est complètement oubliée. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la phrase sans se rappeler du tout de ce qu'il y avait au début de la phrase, quelle que soit la séquence. Voilà, donc il y a plein de défauts à cette approche sur des réseaux de neurones avec des neurones récurrents simples comme ça, c'est que ça ne marche pas très bien. La mémoire est trop courte, on a une convergence qui est très très faible, et puis bon, on a tout un tas d'effets d'explosion de gradient, de vanishing et de choses comme ça. Ok, en un mot, comme en deux mots, en fait ça ne marche pas, en faisant comme ça, ça marche tout simplement très mal. Alors, comment essayer de faire en sorte que ça fonctionne ? C'est de prendre quelque chose d'un petit peu plus évolué, de prendre quelque chose où on va tenir compte de la mémoire immédiate, mais aussi d'une mémoire à plus long terme, c'est-à-dire d'avoir une mémoire rapprochée et d'avoir une mémoire longue. Alors, comment on peut faire ça ? C'est en utilisant un autre type de neurone récurrent, alors qui est pratiquement pareil, tout petit peu plus compliqué, mais qui fonctionne, lui, à cette fois, de manière relativement bien. Alors oui, ça a l'air un petit peu plus compliqué comme ça, c'est un petit peu plus compliqué aussi de facto, mais le principe est relativement simple et c'est le principe qu'il va falloir vraiment comprendre. Après, pour creuser dans le détail, vous pourrez prendre le temps que vous voulez, prendre un petit peu de temps, un petit peu d'aspirine, et puis on arrive à assez bien comprendre comment ça fonctionne, assez facilement en fait. Mais la logique est relativement simple. On va avoir donc une mémoire courte, donc c'est le short stem state. Notre mémoire courte, en fait, c'est le résultat de l'itération précédente. On voit ici, dans notre cellule LSTM, quelque chose qui sort, donc notre YT. Alors j'aurais dû mettre une majuscule en l'occurrence. Donc on a notre vecteur de sortie ici, et puis notre vecteur de sortie, il est dupliqué, et puis on le conserve ici dans notre short state. Alors ça, c'est la mémoire rapprochée, c'est celle qu'on avait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence par rapport à là. La différence, c'est qu'on va avoir une deuxième sortie, qui est notre sortie carry, c'est ici, qui est en fait notre mémoire à long terme, en fait. Et ça va contenir une information que l'on va conserver de manière beaucoup plus longue, de manière beaucoup plus importante dans le temps, et qu'on va donc effacer beaucoup moins rapidement, beaucoup plus doucement. Voilà, donc on n'a en fait pas un seul état, on ne va pas avoir qu'une seule mémoire, on va avoir deux mémoires, une mémoire court terme et une mémoire long terme. Et notre cellule LSTM va donc avoir
trois entrées. Donc on a nos données, notre observation qui va rentrer, on a notre mémoire court terme, donc qui est en fait la sortie d'itération d'avant, et puis notre mémoire long terme. Et pour piloter ces trois entrées, on va utiliser ce qu'on appelle des gates. Des gates, c'est comme des vannes. Hein. Donc c'est ce que l'on a ici, c'est les produits de Hadamard qu'on a dans dans la cellule LSTM. Donc on en a une ici, on en a une autre ici, on en a une autre ici. Et ça forme trois gates, hein. Trois vannes, on va dire, qui vont être pilotées par des couches de neurones, avec des poids, etc. Donc on a trois couches comme ça qui vont gérer nos trois vannes. Et ces trois vannes vont gérer comme ça la mémoire long terme, l'entrée, donc notre input hein, qui arrive construite à partir de notre observation et puis de nos mémoires, et puis notre sortie. Voilà, de manière très brève, un petit peu la philosophie de cette construction LSTM, qui est très astucieuse, c'est qu'on a une mémoire court terme, une mémoire long terme, notre observation, et puis on va avoir un pilotage, on va dire, qui va contrôler l'importance de chacune de ces mémoires, enfin de ces deux mémoires et de cette entrée. Voilà, à travers ces fameux gates, hein, le forget gate, l'input gate et le output gate. Voilà. Alors, ces cellules LSTM, elles ne sont pas toutes jeunes. Hein. Elles ont été proposées en 97, donc ça fait un moment. C'est quelque chose qui a fait ses preuves assez tôt, et qui est assez ancien et qui est toujours très utilisé aujourd'hui. Et puis, alors, il y en a quand même une variante qui est un petit peu plus simple dans l'écriture, qui marche très bien, qui est un peu plus efficace, un peu plus efficiente en termes de ressources, qui sont les cellules GRU, qui ont été proposées en 2014. Qui est quelque chose de beaucoup plus récent. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail de ces cellules LSTM. Là, vous avez sur ce slide un petit peu la description, l'algorithmique, hein, la manière dont sont gérées ces fameux gates et les différentes sorties, court terme et plus long terme. À chaque fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un réseau, on a des unités qui vont comme ça, piloter chacun de ces gates et puis l'entrée. Donc on a quatre ensembles de neurones qui vont gérer ces trois gates et l'entrée de notre cellule, donc avec des poids associés, et des pieds, etc. Voilà, donc ça vous retrouverez pas mal de documentation sur le net. Sur ce schéma, vous avez le principe général. Et si vous avez bien compris l'idée clé, hein, qui est d'avoir ces fameux gates qui vont piloter comme ça, qui fonctionnent exactement comme des vannes, vous pouvez comprendre l'interne d'une cellule LSTM sans difficulté. Alors, bon, cette cellule LSTM, on peut aussi l'utiliser très facilement comme une boîte noire, sans avoir conscience du détail de ce qu'il y a dedans, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc on peut voir ça vraiment comme un composant qui s'utilise extrêmement facilement dans Keras. Donc ça, ces deux petits exemples sont extraits de la documentation de Keras, mais vous pouvez le faire à la main, hein. Vous le trouverez d'ailleurs dans les... j'ai pas mis le lien, mais vous le trouverez dans les notebooks, dans le scratchbook, dans le sous-dossier MISC. Vous trouvez ces trois petits exemples, ces deux petites cellules d'exemple, cellules Jupiter. Donc la première, c'est très simple, hein, on crée des données, donc on crée une structure de données input, qui est en fait une structure de 32 séquences de 20 vecteurs, de 8 composantes. Donc c'est un batch, en fait, hein, on fabrique un batch, donc un batch de 32 séquences, et chacune de ces séquences fait 20 vecteurs. 20 vecteurs de 8 composantes. Voilà. Et puis, on crée une cellule LSTM, couche LSTM pour être précis, de 16 unités. Hein, donc, c'est ce qu'on crée ici, LSTM égale tfkeras.layers.lstm de 16. Alors, il y a plein de paramètres, hein, on peut mettre plein de paramètres. Mais là, c'est l'utilisation à minima. Et puis, on récupère la sortie, donc on fait output égale LSTM de input, on ne peut pas faire plus simple. Donc on passe notre structure de données dans notre couche LSTM et puis on récupère la sortie. Alors quand on regarde les enveloppes, on voit bien que notre entrée avait une enveloppe, une shape, une empreinte, je ne sais pas comment on dit en français, de 32 séquences de 20 vecteurs de 8 composantes. Et puis en sortie, on a 32 vecteurs qui ressortent de 16 composantes. Alors, 16 composantes parce qu'on a 16 unités dans notre
couche LSTM. Et puis là, on est en mode série vers vecteur, c'est-à-dire qu'on donne une série à notre couche LSTM et on récupère un vecteur. Donc voilà, donc on avait 32 séquences, on récupère 32 vecteurs de 16 composantes, puisqu'on avait 16 unités. Voilà, ça c'est une des manières très fréquentes avec laquelle on va utiliser ces couches LSTM, c'est en mode série tout vecteur, tout vecteur, tout vecteur ou vers vecteur. Alors, on peut l'utiliser un petit peu différemment. On peut l'utiliser en mode série vers série, c'est-à-dire que là, précédemment, quand on regarde ici, on voit qu'à chaque itération, en fait, on récupère un vecteur. Là, dans ce mode série vers vecteur, en gros, on récupère que le dernier vecteur. Le reste, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On peut avoir un mode où on va demander à récupérer la totalité de ce qui est passé à l'intérieur de notre cellule, donc de récupérer l'ensemble des vecteurs. Donc là, c'est ce que l'on va faire ici dans ce deuxième petit exemple. Donc là, pareil, hein, c'est la même cuisine. On repart avec la séquence, le même input. Et donc, on prend une couche LSTN, donc de 20 unités. Voilà, pour changer. Et on précise un paramètre qui est return sequences égale through. Donc on va demander de récupérer la totalité de la séquence de sortie. Et puis là, je me pousse un petit peu et on va récupérer l'état de sortie également. Voilà, le return state égale through. Et donc voilà, donc après, ben, ça s'utilise de la manière suivante. On demande la sortie, on demande un memory state, un carry state. Hein, donc voilà, on récupère la totalité. Alors, l'output, bah, c'est la séquence qui traverse notre couche LSTM, notre cellule LSTM, et notre memory state, ça c'est notre mémoire court terme, et carry state, c'est notre mémoire long terme. Voilà, on peut, transparence totale, on peut tout récupérer. Et on voit ici que l'empreinte de sortie, cette fois on a 32 séquences de 20 vecteurs, de 20 composantes. C'est normal parce qu'on avait 20 unités. Et puis c'est normal qu'on ait 20 séquences parce qu'on avait 20 séquences en entrée. Voilà, et puis bah, on récupère donc 32 vecteurs de 20 composantes pour le memory state et pour le carry state. À noter que les memory states correspondront au dernier vecteur de l'output, du dernier vecteur de chaque output. Hein. C'est-à-dire que le memory state, c'est la valeur du dernier vecteur qui a été généré pour la séquence en question. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est un exemple très simple que vous pouvez faire en 5 lignes de code. Voilà, alors il y a plusieurs manières d'utiliser ces cellules LSTM, ces couches récurrentes. Alors, GRUP fonctionne exactement pareil, hein. Il n'y a pas de différence. On peut, plutôt que de parler de LSTM, je devrais parler plutôt de couches récurrentes, de cellules récurrentes. Donc là, on peut l'utiliser en mode série vers série. Donc on donne une série, puis on récupère une autre série. Et donc c'est un mode d'utilisation assez classique qui va être utilisé sur les prédictions de série, par exemple. Simplement. On a le mode série vers vecteur, donc ça c'est l'exemple que l'on va utiliser, le mode de fonctionnement que l'on va utiliser. Donc ça c'est, bah, c'est aussi utilisé de manière très importante pour l'analyse de sentiments, comme on a fait pour faire la classification de texte. Ça fonctionne. Alors dans l'exemple que l'on a fait avec IMDB, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas très bien, parce que finalement, l'ordonnancement des mots n'est pas si important que ça dans la compréhension, enfin dans la classification des critiques. Un notebook utilisant une cellule LSTM est disponible dans Fiddle, hein, pour les IMDB. Alors, une autre utilisation, c'est vecteur vers série. Donc, cette fois, on va donner un vecteur et puis on va récupérer une série. Alors, ça, c'est par exemple utilisé dans l'annotation d'image. Donc, on prend une image, on fait passer un algorithme, un réseau de type YOLO ou autre pour récupérer toutes les informations des objets qu'il y a dans cette image. Donc, il y a un cheval, un cerf-volant, un lapin, je ne sais pas quoi. Et donc, on constitue comme ça un vecteur avec les informations des objets, des classes qui sont présentes dans l'image. On donne ça à un réseau récurrent. Et ce réseau récurrent va être capable de générer un texte. Et il y a deux personnes sur un vélo et un cheval en train de brouter dans un champ, voilà, par exemple. Et c'est capable, comme ça, de manière assez bluffante, de reconstituer une notice, une légende pour une image.
Voilà, donc ça, c'est un exemple d'utilisation et la notation d'image. Et puis, le dernier exemple, c'est, je vais me pousser pour ne pas être devant, c'est l'approche encodeur-décodeur. Donc, on donne une série et on obtient une série, mais en décalé dans le temps. Donc, on prend on donne une série dans un cas, et puis on récupère une série, mais qu'on va poursuivre par la suite. Et ça, c'est très intéressant dans le cadre de la traduction automatique. Alors, c'était utilisé dans la traduction automatique, notamment dans les algorithmes, alors, je ne sais plus si c'est Facebook ou Google, mais c'était très, très utilisé. Maintenant, il y a d'autres approches qui sont plus efficaces, je pense, mais dans la traduction, en fait, tout simplement. Alors, pourquoi décaler comme ça? Parce que pour comprendre le sens d'une phrase, c'est bien d'avoir digéré la phrase avant de commencer à faire la traduction. C'est que la traduction mot à mot n'est pas quelque chose de très heureux. Donc, de décaler les deux donne de très, très bons résultats. Voilà. Alors, nous, le cas qui va nous intéresser, ça sera série vers vecteur. On va utiliser ce cas qui est un cas assez classique. Si je reviens en transparent pour avancer, ça sera mieux. Là, je vais m'effacer un petit peu. Alors, comment on va utiliser ça? On va le faire de la manière suivante. On va prendre une séquence. On va prendre une séquence, donc de x1 à xn plus 1. Et l'idée que l'autre objectif, ça va être de prédire la suite de notre séquence. Alors, on va prendre la partie en vert, donc x1, x2 jusqu'à xn, et notre objectif, ça va être de prédire le vecteur xn plus 1, hein, de prédire le n plus 1e vecteur sur une série. Alors, comment on va faire ça? On va prendre comme observation nos n premiers termes, donc notre observation, ça sera notre séquence x1 jusqu'à xn. Et puis, ce qu'on va vouloir prédire, notre objectif, notre y, ça sera notre xn plus 1, notre vecteur xn plus 1. Hein? Donc, on prend une séquence. Le début de la séquence, c'est notre observation. Et puis, la fin de notre séquence, c'est ce que l'on veut prédire. Le dernier vecteur, c'est ce que l'on veut prédire. Voilà. Et on va donner ça à notre couche récurrente, à notre réseau récurrent. Donc on va donner notre x, notre observation, donc notre série de vecteurs x1 à xn. Et puis il va nous prédire un y chapeau. Et on va faire en sorte, on va faire un apprentissage de manière à que ce y chapeau corresponde à notre xn plus 1. Voilà un petit peu ce qu'on va faire, l'objectif que l'on se fixe pour justement faire de la prédiction de séquences. Alors, un petit mot sur l'organisation des datasets, parce que nos datasets sont très particuliers ici, puisqu'on a des datasets qui sont organisés. Si on prend un dataset classique, non ordonné, comme ceux que l'on a utilisés jusqu'à maintenant, on a un grand sac dans lequel on a toutes nos observations, on mélange sac un grand coup, et puis on fait deux lots, hein, un lot pour l'apprentissage, un lot pour le test, voire trois lots, voire 10 lots si on fait du CAFOL, mais en tout cas, on va faire comme ça des lots avec lesquels on va faire notre apprentissage et valider notre apprentissage, avec comme seule contrainte d'avoir une distribution une distribution des échantillons dans les différents sous-ensembles qui soit homogène, voilà, représentative, on va dire, entre les différents sous-ensembles, comparable, voilà, je cherchais le mot. Alors évidemment, ça, on ne peut pas faire tout à fait pareil avec une série, avec des données organisées en séquence. On a un grand ruban comme ça, avec toutes les données qui sont ordonnées entre elles. Donc évidemment, si on mélange ça, ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun sens. Si on mélange les mots dans un texte pour comprendre le sens, si on prend une page et qu'on en mélange tous les mots, on va avoir du mal à comprendre le sens de la page, de ce qui est raconté dans la page. Sur une phrase, on a peut-être une chance d'y arriver. On a vu dans les cas des critiques que ça marchait plutôt pas mal, hein, de ne pas tenir compte du sens, de l'organisation des mots, la sémantique des mots entre eux. Mais si on fait ça avec une page entière, là, ça ne marchera certainement plus du tout. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va couper notre séquence de manière arbitraire, avec une partie qui sera le passé et une partie qui sera le futur. La partie qui sera le passé servira à l'apprentissage, et puis la partie qui est au-delà de ce point de coupure, qui fait le futur, servira à faire notre évaluation. Alors, de la même façon, on peut couper ça en deux de manière basique, hein, si on ne veut pas se compliquer la vie. Mais si on veut être un petit peu plus rigoureux, etc., on coupera ça en trois, par exemple, de manière à avoir un set de tests et un set de validation. Voilà, mais l'idée générale est la même, c'est qu'on va couper ça en plusieurs parties.
Mais par contre, on ne peut pas mélanger. Alors comment on va faire? Ben, on va faire des petits morceaux de ruban. On va couper notre grand ruban en petits morceaux de ruban. Et puis par contre, nos petits morceaux de ruban, eux, on va pouvoir les mélanger. Voilà, et c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va se débrouiller. On va faire un découpage en petites séquences. Et puis ces petites séquences, on va pouvoir les mélanger. On va faire comme ça, on va pouvoir constituer comme ça un train set, et puis un test set, et puis éventuellement un validation set, comme on en aurait besoin. Alors toute la gestion de ces... alors le découpage entre passé et futur, ça c'est relativement simple, puisqu'il suffit de trouver un point I, puis on fait la coupure. Par contre, la gestion des petits morceaux de ruban comme ça, sachant qu'il va falloir encore les resubdiviser pour avoir une partie apprentissage et une autre partie X et puis une autre partie Y, comme on l'a vu juste avant. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, pour ça, ben, les Keras, par des packages comme ça, nous proposent des outils de type data generator qui vont être particulièrement pratiques. Voilà, on verra l'utilisation de ces outils-là. Voilà, et ben, on verra l'utilisation, c'est notre prochaine étape dans notre prochaine vidéo. Nous verrons donc un premier exemple d'utilisation concrète de ces réseaux récurrents, d'un réseau récurrent pour prédire donc une trajectoire. Donc là, on va faire exactement ce qu'on vient de voir. Donc on a une grande séquence, on va en couper une partie passée, une partie future, et puis on va subdiviser ça en petits morceaux et donner le début de la séquence à notre réseau pour essayer de prédire la dernière itération de cette séquence, enfin le dernier vecteur de cette séquence pour essayer de deviner la trajectoire de notre coccinelle virtuelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à tout de suite ou à plus tard pour la prochaine vidéo sur cet exemple. À bientôt, merci.